Évidemment. Alors, gaz fumigène, protège-dents, réduit les dégâts au corps à corps subis. Ouais. Matraque cloutée. Coup rapproché rapide et efficace, blesse à travers les blocages. Bandana, immunité contre tous les types de gaz. Ok, nickel. Donc, ça c'est libéré. Il y a celui-là et celui-là. Nous en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc ça c'est good. Est-ce que j'ai un moyen de transport? Je vais pas tout faire à pince quand même, faut pas non plus déconner. Jonglage. Encore un truc de jonglage. Ça c'est du fric. Alors c'est quoi tous ces machins bleus? Ah ouais, c'est des points tech. C'est génial ça. La station de Westminster. Comme ça, un jour, quand je retournerai à Londres, ben, je connaîtrai un petit peu mieux. CQFD. Alors pourquoi une pause si longue? En fait, tout simplement parce que j'avais un petit peu faim. Donc je me suis mangé quelques céréales. Ouvrière en ferronnerie se détend à la station Westminster jusqu'à midi. Ah, donc là il est 56. 57. Elle a vachement l'air de se détendre. Il y a midi une S-bar, c'est ça? Ou à des pop. 11h59. Midi. Midi une, bah, toujours là. Et lui, qu'est-ce qu'il y a marqué? Barbier. Alors, donc nous, on doit se rendre... Il y a encore un truc de fric par là. Vous bottez les fesses. En fait, cela, on peut rien faire avec... Merde! C'est devenu n'importe quoi! Qu'est-ce qui est devenu n'importe quoi? Ah ouais, c'est dans n'importe quoi, les gens ils mettent leur sac poubelle n'importe où. Le tri sélectif, ils connaissent pas. Je dois aller exactement. Voilà, j'ai pas fait le suivi, le tracking. Continue. Bonjour. Bonjour, bonjour. Tu cherchais d'être sec. J'étais pas sûre que quelqu'un viendrait, vu que je fais partie du pouvoir. Enfin, avant qu'Albion dissolve le Parlement. Je vous jure, ce que vous avez fait à Westminster, c'est formidable. Vous avez redonné de l'espoir aux gens.
Pas le temps de philosopher sur l'implication du gouvernement. Le problème, c'est ce qu'Albion fait dans cette ville aujourd'hui. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je vous ai contacté. Albion ne s'est pas contenté d'étouffer le gouvernement. Ils ont aussi balancé leur propagande partout. Sur le palais de Westminster, sur Big Ben. Vous vous rendez compte du message que ça envoie ? Si vous voulez donner aux gens l'envie de résister, le fait de redonner à la tour ses vraies couleurs sera déjà un grand pas de franchi. Super. Ça redonnera de l'espoir aux gens. Et un peu du pouvoir dont on les a privés. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ça va être magique d'entendre à nouveau cette cloche. D'ailleurs, petite information qui n'a rien à voir avec le jeu. J'ai fait des comparatifs par rapport... Parce qu'en fait, je suis très intéressé par tout ce qui est sur le spatial. Et donc j'ai voulu comparer donc la taille des différents lanceurs, donc la plupart des gens appellent des fusées, également de la navette spatiale, pour voir à peu près la taille que ça a par rapport à autre chose. Et en fait, la navette spatiale, on va dire, la plupart des lanceurs en fait sont plus grands que Big Ben, que l'horloge de Big Ben, hein, que la tour de Big Ben. Donc ça donne vraiment une idée de la taille imposante. Voilà, là j'ai appelé un drone d'émeute. Le clocher est sous surveillance, mais ça ne devrait pas vous poser de problème. Le plus délicat sera d'atteindre le sommet. Des idées ? Un arachnobot, ça devrait faire l'affaire. Et si je passe par là, ça devrait aller. En fait, je voulais... C'est quel côté qui ouvre, quel côté. C'était quoi? Ah ouais, en fait, je voulais désactiver. Comment je vais faire ça? Que là, pour désactiver celui-là... Qu'est-ce que c'était ça ? Va te faire... purée. C'est vrai que j'étais en zone rouge, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. Fouillez la zone. Drone, initie la recherche. On aura peut-être plus de chance. Parce qu'en fait ici, pour ouvrir la porte, il faut que je passe ici. Il y a encore un truc rouge qui s'affiche à l'écran, j'arrive pas. Je crois que je vais les buter tous, ce sera plus simple.
sans s'en prendre la tête. Excusez mon copain, le... Serial killer. Pas le détruire. Bon. Apparemment, l'endroit où on doit aller, c'est par là-bas. Ici. Je vais peut-être me rappeler un drone. Il n'a pas d'autre, ou alors il est là. Ben ça c'est mon dernier drone. Je sais pas comment faire pour désactiver après le... Désactiver le laser. Allez, on va s'amuser. Ah mais si je passe en mode invisible, ça marchera peut-être. Ouais, pour ça, il aurait fallu que tu restes plus longtemps invisible. Appel à toutes les unités. Rendez-vous sur les lieux de l'alarme. Allez-y, rendez-vous sur les lieux de l'alarme. Alors, unité 2, qu'avez-vous trouvé dans les lieux, au lieu de l'alarme? Rien? Ok. Bah, retournez chez vous. Ça servait juste à ouvrir la porte là. Ceci est un message de sécurité. Nous demandons aux citoyens de bien pouvoir préparer leur partie d'identité afin de les présenter aux agents d'avion.
Ça sert à rien ce truc là. C'est une arnaque. Le chemin qui mène au sommet de la tour est périlleux, plein d'obstacles et de passages étroits. Six pattes mécaniques valent mieux que deux jambes, comme on dit. Ça a l'air marrant, j'aime ça. Je préférerais peut-être prendre mon arachnobot. Pour choisir un gadget. Bon, visiblement, je dois reprendre le rack. Imagine que si j'avais le mien, j'aurais pu passer par là-haut, le haut. Ok, donc on peut pas passer par là. On va faire un petit parcours comme dans Assassin's Creed. Ils nous ont servi avec des mécaniques. L'ancienne. Ça serait vachement cool un niveau de Mario Kart. Ça me fait un peu penser à un niveau justement de Mario Kart dans la tour de l'horloge sur DS. Mais j'étais sur la roue. Obligé de mourir. On va y arriver.
voilà. Moi j'aime beaucoup ce genre d'endroit. Il n'y aurait pas eu de checkpoint, j'aurais ragé. Que c'était par là qu'il fallait aller. Pas que je dois tout recommencer. Par là, y'a quoi? J'ai quasiment recommencé au début là. C'est pas trop long non plus, c'est pas insurmontable. Mais quand même. Moi qui suis fasciné par le temps. Yes, oui, servi. Là, je sais que c'est pas à gauche, donc ça serait peut-être par là. Ah ouais, ok, je crois peut-être avoir compris. Ouais. Doucement quand même. Non, je suis tombé du piston. Non. Je suis où là? Carrément, il me refait commencer depuis le début maintenant. J'avais des checkpoints tout à l'heure. Ah non, c'est bon. Je n'ai rien dit. Ah, là, les sauts, les... Yes, ça a l'air d'être bon. Ok, donc là il va falloir se dépêcher. Le mieux c'est de faire des petits sauts, comme ça. Ça évite d'être gêné par la rotation. Je sais pas ce que t'en penses mon cher Pulsar, mais j'aime beaucoup ce passage. Ok, donc là c'est après ça, ok. Je te tiens. Ordure. Oh,
N'empêche, les ingés qui ont fait ça, balèze. Et pas qu'ils aient pas d'ordinateur ni quoi que ce soit pour tout calculer. Et apparemment, faut que j'aille en haut, à droite. Voilà. Ah. Ouais, le fameux... fameux balancier. Il faudrait vraiment regarder parce que si jamais il n'y avait pas de plateforme. Après, je sais pas si c'est réellement comme ça dans la tour de Big Ben. C'était émouvant, vraiment. Entendre à nouveau le son de cette cloche, revoir cette tour sans toutes ces cochonneries, c'est énorme pour les gens de ce Borough. Les monuments, c'est important dans le cœur des gens. Cette horloge, c'est l'emblème de Londres. Il faut la préserver. B-O-R-O-U, j'ai acheté. Notre démocratie parlementaire. Qu'Albion ose la défigurer comme ça, ça montre bien leurs intentions. Merci, Detsec. Entendu, B-O-R-O-U, j'ai acheté. Super bien joué. Tout Westminster va se soulever contre Albion après ça. Merci beaucoup. Je pense que ça veut peut-être dire quartier. On a besoin de plus de gens comme toi avec du cran. Donc, si t'as des contacts. Merci. Paré au combat. Parfait. Qu'est-ce que t'as marqué ? Emprunté ? Je comprends pas. Waouh. Montre d'espion. Brouille les armes des ennemis proches. Ça, c'est le truc qu'on a acheté. Voiture spéciale espion. Camouflage voiture. Santé béton, des dégâts. C'est excellent ça. J'ai recruté James Bond. Un P9 silencieux, c'est cool ça.